Bonjour, je suis Elisabeth Alfpap. Bonjour, je suis Fred De Vito. À nous deux, nous totalisons plus de 50 ans d'expérience dans le monde du fitness. Notre pratique de l'athlétisme, de la danse, de la méthode Lottie Burke, du pilates, du yoga et du tai chi nous a permis de développer une méthode unique, inspirée de toutes ces disciplines, appelée Core Fusion, que nous enseignons dans les spas Exhale. Ce programme va vous permettre de dessiner et remodeler votre silhouette et vous garantit des résultats rapides et durables. La séance se divise en 5 sessions de 10 minutes. Vous pouvez les suivre séparément pour un travail ciblé ou tout à la suite pour un travail complet. Nous avons sélectionné les meilleurs exercices de nos cours et savons que grâce à cette méthode, votre taille va s'affiner, vos cuisses vont s'allonger et vos fessiers se raffermir. Après une ou deux séances, vous sentirez déjà les effets sur votre corps. Soyez les bienvenus pour ce cours de Core Fusion. Nous sommes heureux de vous accompagner dans cette aventure qui va vous transformer. Body Sculpt, buste. Cette session vise à tonifier et remodeler les bras, les épaules, la poitrine et le haut du dos. Nous commençons le cours par un échauffement qui consiste à balancer les bras en alternance tout en levant les genoux à la poitrine. Le mouvement s'accélère progressivement, tout comme votre respiration et votre rythme cardiaque. Le corps commence à chauffer. On répète le mouvement pendant une minute en soignant bien la position. Les oreilles sont dans l'alignement des épaules, elles-mêmes dans l'alignement des hanches. Cet échauffement permet de préparer le corps, mais c'est aussi l'occasion de se concentrer sur sa respiration, ce qui permet de relier le corps et l'esprit. Cette étape vous met en condition et vous prépare de manière générale à l'activité qui va suivre. Encore quelques secondes. Grandissez-vous, respirez et souriez. C'est agréable de sentir son corps s'éveiller. Prenez maintenant les poids. Le premier exercice permet de travailler les triceps. Placez les pieds dans l'écartement des hanches, les bras sont tendus au niveau des épaules. Et levez les bras. On travaille les triceps situés à l'arrière du bras. Les coudes sont tendus, la nuque est allongée, les abdominaux contractés. On répète l'exercice 30 secondes. Tenez la position, on passe ensuite à de petites pressions vers l'intérieur. Presse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bloqué. Roulez les épaules vers l'arrière, tenez la position. Levez les bras un peu plus haut. Maintenant, on associe les deux mouvements. Presse, lève. Presse, lève. Essayez de garder les bras toujours à la même hauteur. On sollicite les triceps à l'arrière du bras que l'on va tonifier et dessiner en gardant toujours les poids au même niveau. Paume de main vers le haut, levez un peu plus les bras. On fait maintenant une légère flexion du coude. Allonge, allonge. Les triceps sont non seulement contractés, mais étirés. Ceci permet d'affiner le muscle. Ne relâchez pas les bras sur les derniers. 7, 8, 9, restez. Levez un peu les bras et relâchez. Placez les bras devant vous. Nous allons travailler le muscle avant du bras, le biceps, avec des curls alternés sur 30 répétitions. La position est la même. Épaules baissées, genoux relâchés, abdominaux rentrés et les pieds dans l'écartement des hanches. On respire, on se concentre sur le mouvement. Attention à ne pas vous laisser entraîner par les poids. Levez et baissez les bras. Sentez la résistance dans les deux sens. Respirez calmement. Inspirez, expirez. Essayez de garder le reste du corps immobile. C'est là que vos muscles profonds entrent en jeu pour vous aider à garder le buste droit. À présent, les paumes des mains se font face. C'est la prise marteau.
On travaille également les biceps avec cette prise. Encore quelques mouvements pour bien sentir la résistance et entrer dans l'effort. Les derniers mouvements. Nous allons maintenant ramener les bras devant. Lever les coudes. Nous allons faire le même mouvement, mais les deux bras ensemble. Allonger, plier. Allonger, plier. Les épaules sont baissées. La poitrine est en ouverture. Isolez bien le mouvement. Ne crispez pas vos mains autour des poids et sentez les effets de ce nouvel exercice. Tenez la position pour le dernier. Baissez les épaules, gardez les bras parallèles. Ce mouvement fait travailler la poitrine et les épaules. Pompez légèrement vers le haut. Ces séries d'exercices se font sur 20 à 30 répétitions. Mais tout dépend du poids utilisé. Le but est ici de se concentrer pour aller le plus loin possible. Arrêtez le mouvement. Ouvrez, inspirez. Fermez, expirez. Ouvrez, inspirez. Fermez. Inspirez, expirez. On travaille les pectoraux. Inspirez. Rapprochez les coudes au maximum. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore. Inspirez. Expirez. Tenez la position. On reprend les mouvements vers le haut. C'est l'exercice idéal pour travailler à la fois les muscles des épaules, des bras et de la poitrine. Et relâchez. Les épaules en arrière. Ramenez les bras sur le côté. Tirez et poussez. Respirez bien. Ce mouvement vous permet de bien ouvrir les poumons et de sentir l'air vous pénétrer. C'est un très bon exercice pour le haut du dos. En tirant les bras vers le bas, vous travaillez le grand dorsal, le muscle situé sous les omoplates. En poussant, vous travaillez les deltoïdes, les muscles du dessus de l'épaule. Et tirez. Travaillez bien dans les deux sens. En tirant et en poussant. Tenez la position. On réduit le mouvement maintenant pour se concentrer sur le haut du dos. 4, 5, 6, 7, 8. Et relâchez. Un dernier mouvement pour le haut du dos. Regardez bien la position de départ, bras tendus. Lorsque vous ouvrez les bras sur le côté, imaginez que vous pincez un crayon entre vos omoplates. On lève, les omoplates se rapprochent et on baisse. Elles se séparent. Allongez bien la nuque. Les muscles du cou sont détendus. Les genoux aussi. Lise présente une version plus facile avec les bras légèrement fléchis. Expirez, levez. Inspirez, baissez. Levez et on termine par de petites pressions vers le haut. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Très bien. Maintenant, on va détendre les muscles avec un étirement. C'est une étape essentielle du cours. Après l'effort, l'étirement permet de bien dessiner les muscles. Croisez les mains dans le dos et levez les bras pour étirer les muscles thoraciques. Tirez les épaules en arrière. C'est un bon exercice pour le maintien et la position des épaules. Respirez pendant l'étirement. Appréciez la sensation du retour à l'équilibre. Placez les bras devant vous, le bras droit sous le bras gauche. Baissez les épaules, éloignez légèrement les mains de votre front. Les bras tirent vers la droite et la tête pivote à gauche. Respirez profondément, épaules baissées. C'est très agréable de se détendre après l'effort. Relâchez les bras. Changez bras gauche sous bras droit. Épaules baissées et les mains légèrement éloignées de la tête. Inspirez profondément. Expirez en tirant les bras vers la gauche et en pivotant la tête à droite.
Cet étirement est parfait lorsque l'on se sent noué au niveau des omoplates après plusieurs heures passées devant un bureau ou un ordinateur. Ces muscles se contractent très vite et cet étirement vous fera beaucoup de bien. Vous pouvez prendre un élastique ou une serviette, comme vous le voyez, pour rejoindre vos mains dans votre dos. Cela permet d'étirer le triceps du bras droit et le muscle rotateur du bras gauche. Lise présente une version plus avancée de l'étirement en se touchant les doigts. Je me contente d'une version plus simple à l'aide d'une bande. Pendant l'étirement, essayez de vous détendre. Mettez-vous dans une position confortable et faites en fonction de vos possibilités, de votre souplesse. Changez de côté. Placez la main gauche dans votre dos et attrapez-la avec la main droite. Croisez les doigts si vous y arrivez et respirez. Essayez de garder une position correcte. Les oreilles dans l'axe des épaules, les épaules au-dessus des hanches, les genoux souples et les pieds dans l'écartement du bassin. On sent que le buste a bien travaillé grâce aux exercices et aux étirements. Baissez les épaules. Le travail du buste est maintenant terminé. Body Sculpt, les cuisses. Cette séance de musculation ciblée est le meilleur moyen d'affiner vos cuisses tout en les tonifiant idéalement pour la pratique sportive. Vous aurez besoin d'une chaise stable ou d'un plan de travail à hauteur de hanche pour vous appuyer et d'un tapis de sol. Placez-vous les pieds en ouverture, derrière la chaise ou le plan de travail, à distance de bras. Concentrez-vous sur l'alignement du corps. Les oreilles au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des genoux et des pieds. Respirez en équilibrant inspiration et expiration. Placez les mains sur la chaise en respectant l'écartement des épaules. Placez les pieds en ouverture pour former un angle de 45 degrés. Décollez les talons du sol. Fléchissez les genoux dans l'axe des pieds. Vérifiez à nouveau le bon alignement de votre corps. Oreilles au-dessus des épaules, épaules au-dessus des hanches, genoux au-dessus des pieds. Inspirez et expirez par le nez. Descendez en flexion et remontez. Inspirez en fléchissant et expirez en remontant. Inspirez, expirez. Si vous avez mal au genou, ne fléchissez pas trop. Sentez l'énergie qui circule maintenant dans les quadriceps. Tenez la position. Gardez les mains sur la chaise. Les abdominaux vous aident à soutenir votre dos qui doit rester droit. Vos cuisses sont toujours contractées. Gardez le menton droit et portez le regard devant vous. Vous êtes immobile, mais toujours dans l'effort. Et relâchez. Prenez un moment pour sentir la résonance de ce que vous venez de faire. Vous devez sentir une sensation de chaleur au niveau des cuisses, vos muscles sont tonifiés. On retrouve maintenant la position de départ. Les mains toujours sur la chaise, les épaules relâchées. Prenez conscience de votre respiration. Décollez légèrement les talons du sol et fléchissez les genoux dans l'axe des pieds. N'oubliez pas que le fondement de notre méthode se trouve dans l'alignement. La position est ce que vous êtes capable de faire dans cette position. Ne crispez pas les mains sur la chaise. Fléchissez les genoux jusqu'en bas et remontez à moitié. Descendez. Nous allons en faire une dizaine. Inspirez en fléchissant, expirez en remontant. Inspirez, baissez, expirez, remontez. Ne descendez pas jusqu'au bout si vous avez des problèmes de genoux. Vous devez sentir vos cuisses qui travaillent tout au long de l'exercice. On continue. Inspirez, descendez, expirez, remontez. Sentez la puissance de vos quadriceps. En bas, en haut. En bas, en haut. Entrez dans le rythme du mouvement. Arrêtez-vous. Ne contractez pas les mains sur la chaise. Les plus avancés peuvent suivre Fred en fléchissant davantage. Et relâchez. Prenez la position derrière la chaise, les mains sur le dossier dans l'écartement des épaules.
Respirez, prenez conscience de cette respiration. Regardez droit devant. Contractez les abdominaux, baissez le bassin et sentez la force de cette position immobile, jambes immobiles. Les jambes sont parallèles, les pieds serrés l'un contre l'autre. Inspirez. Baissez les omoplates dans le dos. Allongez la colonne en maintenant une cambrure naturelle au niveau des lombaires. Contractez les abdominaux. Vous devriez avoir cette position toute la journée. Décollez les talons du sol au maximum en passant sur la pointe des pieds. Fléchissez les genoux au-dessus des orteils. Collez vos genoux l'un contre l'autre. Joignez l'intérieur des cuisses et fléchissez de quelques centimètres. Gardez les talons décollés pendant la flexion. Portez le regard loin devant. Vous augmentez ainsi votre métabolisme. Votre masse musculaire grandit et vous brûlerez davantage de graisse au repos. C'est mon exercice préféré, je l'adore. Tenez la position, levez bien les talons, gardez les cuisses serrées et relâchées. On va travailler un peu plus en profondeur pour la série suivante, en fléchissant un peu plus. Reprenez la position en respectant les alignements. Posez les mains sur la chaise, épaules baissées. Prenez conscience de votre respiration. Allongez la colonne, serrez les abdos. Levez les talons au maximum. Fléchissez les genoux au-dessus de vos orteils. Respirez, inspirez en descendant, expirez en remontant. Encore une fois, gardez le dos neutre. Fléchissez bien les genoux comme Fred pour les plus avancés. Je ne fléchis pas autant pour présenter une version moins difficile. Fléchissez, remontez, encore. Inspirez vers le bas et expirez vers le haut. Sentez cette respiration circulaire. Sentez vos cuisses prendre forme à l'intérieur et à l'extérieur. Encore, descendez, expirez, montez, fléchissez et expirez en remontant. Inspirez en bas, expirez en haut. Sentez comme votre respiration assiste vos mouvements. Arrêtez-vous là. Fléchissez, gardez les hanches plus hautes que les genoux. Et relâchez. Écartez maintenant les jambes bien en ouverture. Placez-vous à distance de la chaise, les mains sur le dossier. Ramenez les épaules en arrière. Retrouvez l'alignement. Les oreilles au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des hanches. Prenez conscience de votre respiration, même lorsque vous êtes immobile. Fléchissez les genoux au-dessus des pieds. Vérifiez l'alignement de la tête, des épaules et des hanches. Les genoux sont au-dessus des pieds. Vos pieds sont posés bien à plat sur le sol et vos mains ne sont pas crispées sur la chaise. Immobile, le travail continue. L'intérieur et l'extérieur des cuisses sont sollicités. Nous allons nous concentrer sur l'intérieur. Posez les mains à l'intérieur des cuisses et appuyez légèrement vers l'extérieur. Exercez une pression vers l'extérieur et ouvrez. Étirez l'intérieur de la cuisse. Encore, respirez normalement. Inspirez et expirez tranquillement par le nez. Marquez une pause. Reposez les mains sur la chaise. Décollez les talons le plus haut possible. L'exercice s'intensifie. Descendez et remontez. Descendez le buste et remontez. Fléchissez les genoux au-dessus des pieds. Gardez les mains détendues sur la chaise. Inspirez en bas, expirez en haut, comme dans l'exercice précédent. Inspirez, baissez, expirez, remontez. Inspirez, baissez, expirez, remontez. En bas, tenez la position. Les plus avancés peuvent me suivre en fléchissant un peu plus. Pour une version plus simple, suivez Fred qui est moins fléchi. Levez les talons. Tenez la position.
Respirez, levez le bras droit, étirez-le jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie qui vous traverse. Changez de bras. Les plus avancés peuvent lever les deux bras. Tenez la position et relâchez. Mettez la chaise de côté et prenez votre tapis de sol. Nous allons contrebalancer l'effort fourni par quelques étirements qui vous permettront d'allonger vos muscles. Placez le poids du corps sur la jambe gauche fléchie, le genou au-dessus du pied. Placez les mains de part et d'autre de la jambe avant. Étirez de l'arrière de la rotule jusqu'à la cuisse et au fléchisseur de la hanche. Reculez le bassin et tendez la jambe avant. Allongez le dos, essayez de creuser un peu le bas du dos. Relâchez la tête. Les plus avancés peuvent tendre la jambe avant jusqu'à faire le grand écart, comme moi. Et n'oubliez pas de respirer pendant l'étirement. Changez de jambe. Placez la jambe droite devant, le pied dans l'alignement du genou, les mains de part et d'autre du pied avant. Étirez de l'arrière de la rotule à la cuisse jusqu'au fléchisseur de la hanche. Portez le regard devant vous. Sur l'expiration, reculez le bassin. Tendez la jambe avant. Les moins souples tiennent la position comme Fred. Sinon, descendez en grand écart en avançant la jambe comme je suis en train de le faire. Inspirez et expirez profondément. Sentez comme l'étirement vous fait du bien. C'est ainsi que le corps et l'esprit se transforment. Sortez de la position et venez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant pour récolter le fruit de vos efforts. Vous avez bien travaillé. Profitez maintenant de vos jolies cuisses. Body Sculpt fessiers. Avec des fessiers bien fermes, vos cuisses paraîtront plus minces. Vous aurez besoin d'une chaise ou d'un plan de travail à hauteur de hanche pour vous appuyer. Placez-vous derrière la chaise ou le plan de travail à distance de bras. Les oreilles dans l'alignement des épaules et les épaules dans l'alignement des hanches. Concentrez-vous sur votre respiration. Placez les mains sur la chaise en respectant l'écartement de vos épaules. Les pieds sont dans l'écartement des hanches. Gardez la nuque bien droite en allongeant la colonne. Posez le pied gauche au sol, jambes tendues, et détendez la jambe d'appui. Rentrez le bas-ventre. Gardez les épaules parallèles et sentez l'énergie se répandre dans la jambe arrière pendant qu'elle monte. Battement revient, battement revient, battement revient. Tendez la jambe jusqu'à la pointe. Contractez les abdominaux, ils vous aident à maintenir vos lombaires. Sentez l'effort que demande la position. Accélérez les petits battements. Gardez la jambe bien tendue. Vous devez commencer à sentir les fessiers de la jambe au sol qui travaillent, tout comme ceux de la jambe en mouvement. Portez le regard légèrement vers le bas. Si vous avez besoin de faire une pause, reposez la jambe au sol comme moi. Relevez maintenant la jambe, ouvrez-la vers l'extérieur et reprenez les battements. Étirez la jambe le plus loin possible. Respirez. Inspirez et expirez au même rythme. Étirez la jambe jusqu'à la pointe du pied. On s'arrête et on accélère un peu. Battement, battement, battement. Relâchez le genou au sol. C'est un très bon exercice pour les os et pour se dessiner de jolies fesses. Gardez les jambes bien tendues. Tenez la position. Contractez bien les abdominaux.
Fléchissez la jambe levée, gardez la jambe en ouverture et reprenez les battements vers le haut. Lève, ramène. Gardez les épaules parallèles, baissez. Rentrez le ventre, poursuivez l'exercice. Gardez le pied levé, pointé. Concentrez-vous sur votre respiration pour prendre des forces et travailler l'endurance. On accélère les battements. Gardez la jambe levée légèrement en ouverture. Ne verrouillez pas le genou de la jambe d'appui. Accrochez-vous. Ce sont les deux jambes qui travaillent. Tout le grand fessier. Tenez la position. Levez. Levez et posez la jambe, comme moi, entre les deux séries si vous en avez besoin. Placez les deux jambes parallèles. Gardez la jambe levée fléchie et pointez le pied vers le plafond. Le genou arrière ne doit pas monter au-dessus de la hanche. On reprend. Gardez les épaules baissées, rentrez le ventre. On accélère les battements. Battements. Appuyez-vous bien sur la chaise pour soulager le haut du dos et les épaules. Levez la jambe un peu plus haut si c'est possible. Levez le pied, mais gardez le genou plus bas que la hanche. Levez, restez. Montez de quelques centimètres. Respirez. Inspirez et expirez par le nez et relâchez. Passons aux étirements. Posez la cheville droite sur la cuisse gauche. Tenez la position et sentez le muscle s'allonger dans l'étirement. Et relâchez. Changez de jambe. Posez la cheville gauche sur la cuisse droite. Baissez le bassin. Respirez dans l'étirement. Sentez le muscle qui s'étire. Nous allons passer à l'autre jambe. On reprend. Appuyez-vous sur la chaise. Tendez la jambe droite derrière. Les jambes sont parallèles. Commencez par de petits battements vers le haut et revenez. Allongez la jambe jusqu'à la pointe de pied. Gardez la jambe bien droite, de sorte que vos hanches restent bien parallèles. On accélère le mouvement. Encore. Ne levez pas la jambe au-dessus de la hanche. Le pied ne doit pas remonter trop haut. Baissez les épaules, tenez la position et relâchez. Faites une pause si besoin. Relevez la jambe si vous l'avez posée au sol. Tournez la cuisse vers l'extérieur et reprenez les pressions. Monte, reviens. Sentez l'énergie se répartir du sommet de la tête jusqu'aux pieds. La jambe d'appui et les muscles fessiers sont en plein travail. Un peu plus vite. Lève, ramène. Allongez la nuque. Sentez comme les abdominaux soutiennent le bas de votre dos. C'est également un exercice qui renforce le dos. Gardez la jambe bien haut. Les plus avancés gardent la jambe levée jusqu'au bout. Tendez-la jusqu'à la pointe du pied. Fléchissez la jambe arrière, légèrement en ouverture, et pointe de pied tendue. On reprend les battements. Baissez les épaules, respirez. Concentrez-vous sur la respiration à mesure que l'effort s'intensifie. La respiration va vous aider. Ne relâchez pas la cuisse arrière. Ne relâchez pas le pied. On accélère les battements. La cuisse est toujours légèrement en ouverture. Pointez le pied. Ne verrouillez pas le genou de la jambe au sol. Respirez normalement. Inspirez et expirez. Si vous en avez besoin, reposez un peu le pied au sol. À force d'entraînement, vous pourrez garder la jambe levée pendant tout l'exercice. Replacez la jambe levée parallèle. Pointez le pied vers le plafond. Lève, ramène. C'est notre dernière série. C'est là que vous commencez à travailler l'endurance.
Pointez bien le pied. On accélère un peu le mouvement. Gardez les épaules baissées, respirez bien, régulièrement. Ne laissez pas tomber la jambe. Levez le genou au niveau de la hanche, tenez la position. Encore quelques secondes, accrochez-vous. Encore un peu plus haut. Respirez et relâchez. On termine par un nouvel étirement pour détendre toute la zone des muscles fessiers après l'effort. Asseyez-vous au sol. Tendez les jambes devant vous. Posez une cheville au-dessus du genou. Les pieds sont flex. Pour un étirement un peu plus poussé, pliez la jambe de dessous comme moi et placez vos tibias l'un contre l'autre. Allongez le dos, gardez la tête droite, les épaules dans l'alignement des hanches. Fléchissez bien les pieds, sentez l'énergie circuler. Vos hanches sont ancrées dans le sol, allongez bien le dos. Les plus avancés peuvent se pencher doucement vers l'avant. Changez de jambe. Pour les plus avancés, pliez la jambe de dessous pour amener les tibias l'un sur l'autre. Allongez le dos, sentez l'énergie au sommet de la tête. Baissez les épaules, rentrez le ventre, gardez les hanches parallèles au sol. Pieds flex, vous sentez l'énergie passer sous la plante de vos pieds. Sentez vos fessiers retrouver leur équilibre et passer de l'effort à l'étirement. Ici encore, les plus avancés peuvent pencher légèrement le buste en avant, dos droit. N'oubliez pas de respirer. La respiration joue un rôle fondamental dans l'étirement. En expirant, accentuez l'étirement. Allongez le dos. Sentez les hanches se rapprocher du sol. Un souffle apaisant irradie votre corps. Relâchez l'étirement. Reprenez la position neutre. Tête droite, épaules dans l'alignement des hanches, ventre rentré. Vous êtes stable. Asseyez-vous, jambes croisées. Posez les mains sur les genoux et respirez. Les fesses de vos rêves ne sont plus très loin. Body Sculpt Abdos. Cette session associe des mouvements de faible amplitude à des postures qu'il faudra tenir si l'on rêve d'abdominaux solides et d'un dos en pleine santé. Vous aurez besoin d'un tapis de sol et d'un mur dégagé. Pour ce premier exercice, posez les pieds sur le mur. Lise va présenter une version un peu plus facile, jambes fléchies. Appuyez les pieds sur le mur, dans l'écartement des hanches. Mettez-vous en appui sur les coudes, contractez les abdominaux et basculez légèrement le bassin vers l'avant pour bloquer les abdos. Vous devez pouvoir respirer sans bouger les abdominaux. Attrapez vos cuisses par l'extérieur, ramenez les épaules vers l'arrière, levez le menton pour regarder vos pieds et respirez. Rien qu'en maintenant la position, les muscles de votre dos sont étirés et vos abdominaux contractés. C'est une posture très complète. Je lâche mes cuisses et je sens immédiatement mes abdominaux entrer en action. C'est une position que l'on retrouve fréquemment dans les exercices traditionnels d'abdominaux. À mesure que je lève les bras, l'effort se fait plus intense. Je reviens en position initiale, épaules en arrière, coude écarté. Si vous avez besoin d'une pause, suivez Lise et posez les coudes au sol. On resserre les poings devant les genoux, tout en maintenant la position. Les moins avancés peuvent suivre Lise, qui fait le même exercice un bras après l'autre. Faites des pauses si nécessaire. L'objectif est de maintenir la position le plus longtemps possible. Les mains sur les cuisses, je corrige ma position. Épaules baissées, coudes écartés, ventre rentré. Lâchez les cuisses et faites des petits battements bras tendus ou en les alternant selon votre niveau. Accrochez-vous.
c'est très intense. Et rien qu'en tenant la position, vous travaillez fortement les abdominaux qui se contractent pour vous maintenir en place. Gardez le menton levé et évitez de tirer sur la nuque. Quand vous le sentez, reprenez la position de base, coude écarté, épaules baissées. Reprenez les battements de bras au niveau des hanches tout en maintenant la position. Vos abdominaux sont sollicités, ils forment une ceinture autour de votre buste qui le décolle du sol. Respirez, attrapez vos cuisses et corrigez la position. J'ouvre les coudes, je baisse les épaules et je mobilise mes abdominaux tout en décollant le menton pour soulager la nuque. Sentez la puissance qui se dégage de cette position immobile. Les abdominaux sont très sollicités. Respirez, restez concentré et croisez le bras droit devant vous. Nous allons nous attarder un peu sur les obliques, les abdominaux latéraux. Ils doivent commencer à chauffer. Tenez la position. Lâchez la cuisse si possible. Même quelques secondes. Attrapez la cuisse gauche. Faites maintenant quelques contractions. Expirez, montez. Expirez, montez. Aidez-vous des abdos. Lâchez les mains si possible. Levez les bras. Gardez les omoplates baissées. Et dès que vous sentez que votre buste s'affaisse, attrapez la cuisse avec les mains. Faites des battements de bras sur le côté gauche. Les plus avancés peuvent lever les bras plus haut. Lise cède de ses mains et souffle dès qu'elle en a besoin. Tenez la position. Plus vous tenez, plus vous travaillez. Reposez les mains. Baissez les épaules. Posez les coudes si besoin. Revenez au centre et passez à droite. On travaille les muscles latéraux et vous affinez votre taille rien qu'en maintenant la position et en contractant les abdominaux. Respirez. Sentez le travail des abdominaux. Lâchez les mains quand vous le sentez. Enlevez une main, puis l'autre. Levez les bras. L'effort est plus intense. Restez là et montez. Montez. Soufflez en montant. Contractez les abdos. Décollez le menton. Décollez les omoplates du tapis. Tenez la position. On passe au battement des poings. On renforce la sangle abdominale et on gagne en endurance en maintenant cette position. Levez les bras plus haut pour corser l'exercice et mettre plus de poids sur les abdominaux. Montez les bras et revenez au centre. Coudes écartés, épaules en arrière. Lise fait une pause. Faites de même s'il le faut. Petit à petit, vous y arriverez, soyez patient. Cette séance est sans doute une des plus difficiles que vous aurez à faire. Balancez les bras de gauche à droite. On travaille encore les obliques en faisant de légères rotations du buste. Droite, gauche, droite. Amusez-vous à tester votre endurance. Essayez de tenir le plus longtemps possible sans reposer les mains sous les cuisses. Faites une pause quand vous en avez besoin. Respirez. On reprend sur les côtés. Côté, côté, devant. Côté, côté, devant. Associez le travail des obliques et du grand droit. Levez le menton pendant l'exercice. Regardez vos pieds. Respirez. Revenez de face et reprenez votre souffle. Fléchissez les genoux et revenez en position assise. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez les genoux fléchis pour le prochain exercice. Écartez-vous un peu du mur et baissez légèrement le buste pour prendre la position de base de notre méthode, le curl. Dans cet exercice, les muscles du dos sont étirés, tandis que l'on travaille les abdominaux. Pour trouver la position, reposez-vous en arrière sur les coudes. À partir de là, basculez le bassin vers l'intérieur, rentrez les abdominaux et allez attraper vos cuisses par l'extérieur. Baissez les épaules pour éviter de tirer sur la nuque. Lâchez vos jambes et levez les bras bien haut pour intensifier l'effort si vous avez un niveau avancé. Rien de tel que de repousser ses limites pour une remise en forme. Comme Lise, vous ressentirez peut-être le besoin de faire une pause.
allez à votre rythme et ne perdez pas espoir. Il faut du temps avant de pouvoir lever les bras sans basculer en arrière. Ramenez les bras. Nous allons changer l'exercice en pliant le genou en angle droit. Soutenez-le des deux mains. On va faire de petites contractions. Monte, reviens. Souffle en montant. Lâchez les deux mains si vous le pouvez. Levez bien les bras pour corser l'exercice. Soufflez. Soufflez. Soufflez en rythme avec les mouvements. Les abdominaux se contractent lorsque vous levez le buste. Posez la jambe et redressez le buste jusqu'en haut. Roulez les épaules vers l'arrière, respirez bien. Nous allons reprendre la position tant que l'on est dans l'effort et que les abdominaux sont bien chauds. Posez les coudes au sol et contrôlez bien votre position. Dans notre méthode, la position est un élément fondamental. Collez bien le bas du dos au sol. Cherchez la stabilité dans le sol. C'est essentiel avant de commencer à travailler. Levez les bras une nouvelle fois. Contractez bien les abdominaux. Rentrez le bassin pour que le bas du dos reste en contact avec le sol. Tenez la position. Respirez et attrapez le genou droit. Écartez les coudes, baissez les épaules, levez le menton. Expirez. Expirez, montez. Lâchez une main, puis les deux. Quel que soit votre niveau, vous verrez qu'avec cet exercice, petit à petit, vos abdominaux vont se renforcer et vous serez capable de lâcher vos jambes et de lever vos bras au niveau des oreilles. Tenez la position. Levez les bras encore plus haut. Gardez la position. Respirez. Tenez bon et replacez vos mains. Redressez-vous légèrement si vous êtes affaissé. Tendez maintenant les deux jambes vers le haut. Ouvrez bien les coudes. Baissez les épaules. Même immobile, vos muscles travaillent. Ne vous découragez pas. Levez les bras sans tomber en arrière. Croisez les mains derrière la nuque. L'exercice est très difficile. Tenez la position, concentrez-vous. Respirez, tenez bon. Et relâchez les genoux contre la poitrine. Tendez le bras gauche derrière vous. Roulez vers la gauche, redressez-vous. Nous allons passer à l'étirement, ce qui vient clôturer le travail en recréant l'équilibre dans le dos. Couché sur le ventre, placez les coudes sous les épaules. C'est la position du sphinx. Vous étirez l'avant de l'abdomen. Lise présente une version avancée de l'étirement. Tournez la tête à gauche, baissez les épaules, tournez la tête à droite. Revenez au centre et relâchez doucement le buste au sol. Levez le bassin et allez vous asseoir sur les talons, bras tendus devant vous, au niveau des épaules. Respirez bien. Vous venez de faire une série d'abdominaux difficiles, mais plus vous en ferez, plus vous serez musclé et pourrez apprécier les progrès réalisés. Body Sculpt étirement. Les étirements permettent d'allonger les muscles. Ils sont une étape essentielle pour se dessiner une jolie silhouette. La souplesse est également un gage de meilleure performance sportive et permet de réduire les risques de blessures. Vous aurez besoin d'un tapis de sol et d'une bande élastique ou d'une serviette. Nous commençons cette session couchés sur le dos, bras tendus sur le côté, paume de main vers le haut, prête à recevoir les énergies positives. Les jambes sont tendues en légère ouverture. Respirez par le nez en équilibrant l'inspiration et l'expiration. C'est la posture Shavasana. Dans notre méthode, nous utilisons la Shavasana, une posture dorsale immobile, pour créer un lien entre le corps et l'esprit grâce à la respiration. Dans l'immobilité, les muscles se détendent, les articulations s'ouvrent et les os se mettent en place. L'esprit s'apaise et évacue toutes les pensées. Cette expérience holistique a des vertus qui vont bien au-delà du physique et permet d'atteindre un état de bien-être et d'équilibre. Les techniques de relaxation préparent le corps à un étirement thérapeutique et à la détente. Respirez, apaisez votre corps. Placez maintenant le genou gauche contre la poitrine sur l'inspiration. Expirez et sentez le corps se détendre.
Inspirez pour vous préparer au mouvement. Expirez pour évacuer les tensions. Allongez la jambe au sol pour bien détendre le bas du dos. Placez la main droite à l'extérieur du genou gauche et faites-le pivoter vers la droite tout en gardant la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Ouvrez le bras gauche. Tournez légèrement la tête vers la gauche. Respirez. Ne cherchez pas à accentuer l'étirement. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Sentez la rotation de toute la colonne et suivez l'île si vous avez un niveau avancé en tendant la jambe. Cet étirement fait beaucoup de bien dans le bas du dos, à la hanche et à l'extérieur de la cuisse. Faites les étirements en douceur, ne forcez pas le mouvement. Restez concentré sur votre respiration et sentez bien le poids de votre corps dans le sol. Servez-vous de votre respiration pour faire circuler l'énergie dans tout votre corps. Au fur et à mesure des étirements, vous allez sentir le bas de votre dos s'ouvrir. Revenez au centre et changez de jambe. Tendez la jambe gauche au sol. Maintenez la cuisse droite contre la poitrine. Recherchez la stabilité. Respirez et laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Inspirez et en expirant, évacuez les tensions. Avec la main gauche, faites pivoter la jambe droite jusqu'à poser le genou au sol. Ouvrez le bras droit. Tournez légèrement la tête vers la droite et regardez sur le côté. Le bras gauche appuie doucement sur la jambe droite sans l'écraser. La hanche droite repose sur la jambe gauche. La jambe au sol reste tendue. Si la position est douloureuse ou inconfortable, ramenez légèrement la jambe jusqu'à trouver la position qui vous convient, qui ne crée pas de tension. Comme Lise, si vous le pouvez, tendez la jambe droite vers l'épaule gauche. Pour un bon étirement, il faut tenir la position tout en continuant de respirer calmement pour que l'énergie se répande dans tout votre corps. Encore quelques secondes. Et revenez au centre. Regroupez les genoux contre la poitrine. Posez les deux pieds à plat sur le sol. C'est une posture qui offre un repos constructif. Les genoux sont fléchis. Le bas du dos est plaqué au sol. Les pieds sont à plat dans l'écartement des hanches. Baissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Tournez les paumes de main vers le haut. Ouvrez la poitrine. À partir de cette position, amenez le genou gauche contre la poitrine. Nous allons étirer l'arrière de la jambe. Prenez une bande élastique ou une serviette. Passez la bande derrière le pied et tendez la jambe. Allongez-vous. Lorsque vous tenez la bande ou la serviette, fléchissez légèrement les coudes. La hanche gauche reste ancrée dans le sol. Tentez de rapprocher doucement la jambe gauche du buste. Vous étirez les muscles arrière de la jambe qui peuvent entraîner des douleurs dans les lombaires lorsqu'ils sont tendus. En plaçant la bande élastique sous le pied, vous étirez également les muscles du mollet jusqu'au talon d'Achille. Respirez calmement. Pliez le genou et relâchez. Changez de jambe. Placez le genou droit contre la poitrine.
Sentez le poids de votre corps sur le sol. Placez la bande sous le pied droit et tendez la jambe. Ajustez la longueur de la bande à votre convenance. L'essentiel est de garder la tête et les épaules au sol pour limiter l'effort. La bande est là pour vous aider à vous détendre pendant l'étirement. Respirez. Sentez l'effet positif que produit l'étirement. Petit à petit, tout en maintenant la position, vous remarquerez certainement que votre jambe se rapproche légèrement de votre buste, surtout si vous vous entraînez régulièrement. Regroupez vos deux genoux et revenez en position assise. Tendez les jambes devant vous, pieds flex. Attrapez les pieds sur les côtés et baissez le buste en le pliant au niveau des hanches. J'utilise à nouveau la bande élastique placée sous mes plantes de pied pour m'aider dans l'étirement. Lise présente un niveau plus avancé. Dans tous les cas, essayez de garder le dos plat, la nuque allongée, les épaules au-dessus des hanches. Baissez les épaules, contractez les abdominaux. Essayez de bien garder l'écart entre les hanches et la poitrine pour adopter une bonne posture. Ouvrez le bras gauche sur le côté en faisant pivoter le buste vers la gauche. La main droite attrape le pied gauche pour créer une torsion de la colonne. Gardez les épaules baissées pendant l'étirement. Respirez. Revenez au centre et changez de côté. Levez le bras droit, attrapez la cheville droite avec la main gauche. Vous pouvez aussi utiliser l'élastique. Revenez au centre. Redressez doucement le buste, vertèbre après vertèbre. Posez les pieds à plat, genoux fléchis. Nous allons terminer l'étirement avec ce dernier exercice. Attrapez le pied gauche et tendez la jambe pour étirer le mollet. Restez assis, les oreilles au-dessus des épaules, épaules au-dessus des hanches, poids du corps au centre. Si vous utilisez un élastique, écartez les coudes, baissez les épaules et respirez régulièrement. Faites de même à droite. Vous remarquerez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Étirez au maximum, même si les deux côtés ne sont pas au même niveau. Respirez pendant l'étirement, ramenez les deux pieds au sol et relâchez. On termine par cet exercice d'équilibre. Vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite. Ne soyez pas surpris si vous basculez en arrière par moment, surtout si vous débutez. Attrapez vos pieds par l'extérieur. Cet exercice symbolise pleinement notre méthode. Il associe équilibre, souplesse, travail des abdominaux et une touche d'humour. Levez les bras, tenez, croisez les jambes et relâchez. Sentez ce sentiment de bien-être vous envahir après cette magnifique séance d'étirement.
Bonus, cuisses. Nous avons mis au point une série d'exercices à réaliser avec un ballon pour le renforcement musculaire de l'intérieur et de l'extérieur des cuisses. Si vous êtes débutant, suivez-moi pendant le renforcement musculaire et suivez Fred pendant l'étirement. Vous aurez besoin d'une chaise ou d'un plan de travail à hauteur de hanche. Placez-vous à distance de la chaise ou du plan de travail. Placez les mains sur la chaise en respectant l'écartement des épaules. Vos jambes sont parallèles dans l'écartement des hanches. Placez le ballon entre vos cuisses, au-dessus des genoux. Vérifiez la position de départ. Les oreilles sont dans l'alignement des épaules, elles-mêmes dans l'alignement des hanches, des genoux et des pieds. Fléchissez les genoux, serrez le ballon avec les cuisses et exercez des mouvements de pression sur le ballon. On travaille l'intérieur des cuisses. Les pieds sont posés bien à plat sur le sol, le poids du corps équitablement réparti. Vous contractez l'extérieur et l'intérieur des cuisses pour serrer le ballon. Décollez les talons le plus haut possible et fléchissez un peu plus les genoux. Vous devriez bien sentir vos quadriceps. Reprenez les mouvements de pression. Faites travailler l'intérieur et l'extérieur des cuisses sans oublier de conserver un bon alignement. Contractez les abdominaux. Relâchez le bas du dos. Baissez les épaules. Respirez. Gardez la tête droite. Contractez l'intérieur des cuisses. Encore, respirez. Prenez conscience de votre respiration. Fléchissez un peu plus les genoux et remontez. Inspirez en descendant et expirez en remontant. Si vous avez des problèmes de genoux, ne fléchissez pas trop. Montez, descendez, gardez les talons bien décollés lorsque vous descendez. Montez, respirez bien. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Sentez l'énergie gagner vos cuisses. Continuez de respirer, tenez la position. Décollez bien les talons tout en continuant de comprimer le ballon avec l'intérieur des cuisses. Et relâchez. On se prépare pour une nouvelle série. Placez-vous bien à distance de la chaise. Baissez bien les épaules, décollez les talons. Fléchissez les genoux au-dessus des pieds. Gardez bien les épaules dans l'alignement des hanches. Rentrez le ventre. Descendez et remontez. Baissez le bassin jusqu'au niveau des genoux et remontez. Inspirez en descendant et expirez en remontant. Inspirez en descendant, expirez en remontant. Serrez le ballon avec l'intérieur des cuisses. Continuez en haut, en bas. Expirez sur la montée, gardez les talons décollés sur la descente. En haut, en bas. Serrez les cuisses. En bas, expirez. Tenez la position. Levez les talons. Fléchissez un peu plus comme Fred pour les plus avancés. Je suis un peu plus haute. Et soufflez. Enlevez le ballon. Nous allons passer au sol pour étirer les quadriceps. Ouvrez les genoux un peu plus que l'écartement des hanches. Posez les mains derrière. Décollez le bassin tout en appuyant sur les muscles des hanches et les quadriceps. Pour approfondir l'étirement, posez les coudes au sol comme moi. Reprenez le ballon. Placez-le au niveau des cuisses et allongez-vous sur le dos. Tournez les paumes de main vers le sol et décollez le bassin. Sentez l'arrière des cuisses se contracter, les ischio-jambiers ainsi que les muscles fessiers et l'intérieur des cuisses. Les muscles du dos sont très longs. Le poids est maintenant dans le haut du corps, au niveau des épaules, et on déroule la colonne. On enroule à partir du coccyx et on déroule en haut. Déroulez bien le dos. C'est un très bon exercice pour le dos et pour avoir de jolies fesses. En bas, en haut. Gardez la nuque bien allongée pendant les mouvements du bassin. Sollicitez l'ensemble du dos. Tenez la position. Rapprochez les pieds de vos hanches, décollez les talons. Contractez l'intérieur des cuisses et reprenez les mouvements de bassin en haut. Posez les lombaires au sol et remontez en enroulant bien le dos. En bas, en haut.
L'intérieur des cuisses se contracte pour maintenir le ballon. Suivez bien la colonne. Contractez les cuisses. En haut, tenez la position. Placez tout le poids dans le haut du corps, au niveau des omoplates, allongez la nuque. Et revenez au sol en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Enlevez le ballon, attrapez les genoux par l'arrière, pressez les cuisses contre votre poitrine et récoltez les fruits de ce travail sur l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Abdominaux, dos plat, dos rond. Cette session a pour objectif de renforcer la ceinture abdominale, ce qui vous permettra progressivement d'atteindre une meilleure forme physique. Vous aurez besoin d'un tapis de sol, ainsi que d'une bande élastique ou d'une serviette. Commençons par un échauffement. Montez les genoux vers la poitrine et balancez le bras opposé en le levant à hauteur d'épaule. Accélérez progressivement le mouvement. Les muscles commencent à chauffer, les articulations se dénouent et le rythme cardiaque s'accélère, tout comme votre respiration, alors que votre esprit se concentre et se mobilise. Asseyez-vous au sol. Genoux fléchis, pieds plats, jambes parallèles, enfoncez les doigts dans le sol au niveau des genoux et contractez les abdominaux et décollez les pieds l'un après l'autre tout en rentrant le ventre et en sollicitant votre ceinture abdominale. L'objectif de cet exercice est de renforcer le centre pour pouvoir bouger facilement les jambes. Je présente une version plus avancée de l'exercice en décollant les deux pieds en même temps alors que Lise continue l'exercice en levant les jambes l'une après l'autre. Relâchez. Soufflez. On passe aux ouvertures. Les pieds de Lise touchent le sol. Les miens sont décollés. Nous sollicitons nos abdominaux pour tenir la position tout en bougeant les jambes. Relâchez. Placez les cuisses en ouverture. Posez les mains au sol, derrière les chevilles, baissez les épaules et décollez les pieds du sol l'un après l'autre. En ouverture, on travaille davantage les muscles de l'intérieur des cuisses. Gardez les pieds pointés et restez en appui sur les doigts. Ici encore, je présente une version plus avancée de l'exercice en levant les deux jambes ensemble. Lise lève les jambes l'une après l'autre. Respirez. Essayez de garder les abdominaux contractés, même si l'air entre dans vos poumons. Les abdominaux restent serrés. On passe au mouvement latéral. Les cuisses toujours en ouverture, pieds décollés si vous le pouvez. Vous les lèverez peut-être d'abord sur un ou deux mouvements, mais avec de l'entraînement, vous tiendrez sur 10 ou 15 mouvements. On reprend la position précédente pour faire le même mouvement jambes tendues. Baissez bien les épaules, enfoncez les doigts dans le sol, serrez les abdominaux et décollez les jambes l'une après l'autre. Gardez les jambes tendues. Pieds pointés. C'est très efficace pour affiner l'extérieur des cuisses et la hanche. Les bénéfices sont doubles. Vous renforcez votre ceinture abdominale et vous affinez vos cuisses. Les plus avancés peuvent lever les deux jambes en même temps. Vous reconnaîtrez peut-être une figure de gymnastique masculine réalisée aux anneaux ou aux barres parallèles. Et relâchez. Baissez les épaules, respirez profondément, rentrez le ventre, soufflez et faites de petits battements de jambes. Serre, serre, serre. Essayez de lever les jambes le plus haut possible. Gardez les abdominaux contractés, rentrez et remontez. Vous affinerez également votre taille. Placez maintenant les cuisses en ouverture. Pieds pointés, épaules baissées. Rentrez le ventre et décollez les jambes d'abord l'une après l'autre. Essayez de les lever plus haut, mais n'oubliez pas d'allonger la jambe jusqu'à la pointe du pied. Gardez les pieds pointés, les épaules baissées et prenez appui sur vos doigts au sol. Pour les plus avancés, levez maintenant les deux jambes en même temps. Allez puiser dans votre ceinture abdominale la force de soutenir vos jambes. Relâchez. Les battements maintenant. Pieds pointés. 3, 4. Serrez, allongez les jambes jusqu'au bout. Repoussez vos limites. Comptez combien de battements vous pouvez faire. Combien vous en faites jambes levées.
Vous verrez qu'à force d'entraînement, vous progresserez. Nous allons reprendre l'exercice dos au mur, ce qui sollicite davantage la ceinture abdominale. Asseyez-vous le plus près possible du mur. Posez les doigts au sol, les bras légèrement écartés, alignez la tête, les épaules et les hanches. Rentrez le ventre et décollez les jambes l'une après l'autre. Même si vous bougez les jambes, les abdominaux restent serrés. C'est ce qui vous donne la force de bouger et remodèle votre taille. Encore un petit effort. Tendez et relâchez. Tendez et relâchez. Ne bougez pas le genou. La jambe se développe à partir de l'articulation du genou. Répétez le mouvement de l'autre côté. Ici, les abdominaux permettent de soutenir le mouvement de la jambe. Et cette force est indispensable, quel que soit le sport pratiqué. Reposez les jambes tendues, replacez le bassin contre le mur, baissez les épaules, rentrez le ventre, mettez les pieds en flexion pour allonger l'arrière de la jambe jusqu'au genou et reprenez les battements. Comme moi, les plus avancés peuvent lever les jambes le plus haut possible. Respirez dans le mouvement. Il vous faudra peut-être du temps avant de pouvoir décoller les jambes, mais vous travaillez déjà de manière très intense lorsque les jambes restent au sol. Et relâchez. Collez les hanches contre le mur. Enfoncez les doigts dans le sol, baissez les épaules, croisez la cheville gauche sur la cheville droite. Les jambes sont en ouverture. Décollez légèrement la jambe gauche. Lorsque les jambes sont en ouverture, l'intérieur des cuisses est davantage sollicité, mais les muscles qui travaillent le plus sont les abdominaux que vous maintenez rentrés pour soutenir les mouvements des jambes. Croisez maintenant la droite sur la jambe gauche et répétez le mouvement de battement vers le haut. Monte, monte, super. Gardez la jambe bien tendue, respirez. C'est incroyable à quel point les petits mouvements peuvent être aussi difficiles du fait de votre position. Remontez un peu le tapis contre le mur. Un tiers du tapis au mur et deux tiers au sol. Appuyez-vous contre le mur, dos arrondi. Poussez les omoplates contre le mur et décollez la taille. Cet étirement fait beaucoup de bien au dos. Vous étirez le bas du dos, les fessiers, les ischio-jambiers et avec le pied flex, vous étirez également le mollet. Tenez la position, fléchissez le genou et changez de côté. Passez l'élastique sous le pied droit, tendez la jambe ou comme Lise, placez les deux mains derrière le mollet. Pendant l'étirement, je laisse les épaules. Je contracte les abdominaux et j'essaie de respirer sans modifier la position. Il faut concentrer sa respiration au niveau des poumons, ce qui demande un peu de pratique. Tendez la jambe de la hanche jusqu'au talon. Pour les plus avancés, attrapez vos deux jambes et amenez les genoux contre la poitrine, les mains sur les mollets. Si ce mouvement est trop difficile, faites-le une jambe après l'autre en essayant d'atteindre progressivement cette position. Regardez, on croirait un saut carpé. On rentre le ventre vers la colonne, les jambes et les muscles extérieurs des cuisses sont tendus et fléchissez les genoux contre la poitrine. Levez une seule jambe pour le prochain exercice. Enfoncez les doigts dans le sol, inspirez, baissez, expirez, remontez, baissez, expirez. Pendant le mouvement, la jambe reste tendue et le pied pointé. Cet exercice permet encore de remodeler le haut de la cuisse et la taille. Serrez les abdominaux en remontant la jambe. Analysez vos sensations. Pouvez-vous lever votre jambe tendue à la verticale ? Relâchez. Changez de jambe. Tendez la jambe droite, pied pointé. Et baissez. Contractez, levez. Essayez de coordonner la respiration. Expirez, montez. Inspirez, baissez. Expirez, montez. Les efforts coordonnés permettent une bonne circulation de l'énergie.
et aide les abdominaux à soutenir le mouvement de la jambe. Pour terminer, approchez les deux genoux de la poitrine. Tendez les deux jambes une dernière fois. Lise garde les mains autour des mollets. Essayez de rapprocher vos genoux le plus près possible du buste, en partant bien des hanches et approchez doucement vos pieds au plus près du mur. On développe ainsi la puissance abdominale. Le mouvement est très léger. Votre bassin bascule légèrement dans le mouvement. Tenez la position. Contractez les abdominaux. Restez là. Allongez-vous. Sentez cette énergie qui parcourt vos jambes. Gardez la position. Relâchez un peu la pression, comme moi, en plaçant les mains sur le côté. Encore quelques secondes. Tendez bien les jambes, allez-y. Allez jusqu'au bout. Contractez. Rapprochez un peu les jambes sans les toucher si vous pouvez, uniquement à la force des abdominaux. Basculez le bassin pendant le mouvement. C'est le dernier. Tenez bon, allongez les jambes. Respirez. Allongez-vous. Contractez le ventre au maximum. Et relâchez. Pliez les genoux contre la poitrine. Quelle session incroyable! Les mouvements sont tout en subtilité et se limitent parfois à garder les jambes tendues. Bravo à tous!